Bonjour tout le monde, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour vos messages quotidiens. Alors, prenez le temps de choisir le paquet qui vous appelle et je vous reviens dans quelques instants pour la lecture de vos messages. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier paquet, il s'agit de la carte de la force. Donc, ce que je vous dirais, c'est de méditer sur le courage d'affronter la vie. Hein. On est tous ici pour vivre des expériences et parfois la vie nous envoie des expériences justement un peu qui sont là pour nous réveiller, pour nous fouetter un peu. Parfois, on trouve ça difficile, mais ayez le courage de les affronter, de vivre votre vie, parce que avec toutes ces expériences-là, bien, on grandit, on apprend et on devient des personnes de plus en plus fortes pour justement accueillir les nouvelles expériences qui se présentent à nous, hein, qu'elles soient difficiles ou non. Donc, ça forge notre caractère. Donc, apprenez à méditer sur le courage d'affronter cette vie. Je vous dirais peut-être de méditer sur votre autodiscipline hein, pour n'importe quelle tâche que vous avez à faire dans votre journée. Soyez discipliné. Ayez peut-être aussi la maîtrise de vous-même pour certaines situations. Donc, cette carte nous invite à méditer sur plusieurs aspects. Donc, le courage, la maîtrise de soi et l'autodiscipline. Donc, voilà pour vous, mes chers amis, qui ont choisi le premier paquet. Pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, il s'agit de la carte de la lune. Alors, je vous dirais, mes chers amis, de méditer peut-être sur l'importance d'écouter votre intuition. Bien souvent, il arrive que notre intuition nous parle beaucoup, mais qu'on ne l'écoute pas. On préfère se laisser aller comme ça, mais on se rend compte vite que si on s'était écouté, si on avait écouté notre première impression, notre première pensée, bien, on aurait peut-être évité certaines difficultés ou certains désagréments. Donc, c'est important d'écouter notre intuition. Je vous dirais aussi, pour vous qui avez choisi cette carte, de commencer à prendre l'habitude d'écrire vos rêves. Hein? Gardez-vous un carnet près de votre lit ou sur votre table de chevet et quand vous rêvez, parce que parfois dans nos rêves, on obtient beaucoup, beaucoup de réponses à nos questionnements dans notre vie. Et si vous rêvez pendant la nuit et que vous avez un carnet tout près de vous, sans trop vous réveiller, vous pouvez tout simplement noter des mots-clés qui vont faire en sorte qu'au matin, au réveil, vous allez vous souvenir de votre rêve ou de vos rêves. Hein? Donc, prenez l'habitude d'écrire ça et en vous souvenant, bien, vous allez pouvoir écrire l'histoire de votre rêve et vous y référer au besoin. Donc, c'est bien important de faire ça. Pour ceux qui rêvent beaucoup, même pour ceux qui ne rêvent pas beaucoup, souvent les réponses viennent dans nos rêves et ça nous permet de prendre de meilleures décisions dans notre vie. Donc, mettez un carnet tout près de vous. Et pour ceux qui ont choisi le dernier paquet, il s'agit de la carte du magicien. Donc, je vous dirais, mes chers amis, de méditer sur toutes les possibilités que la vie vous offre. Hein? Sur la nouveauté, les nouveautés qui se présentent à vous. Sur aussi méditer sur les outils que vous avez à votre disposition pour créer ce que vous désirez dans votre vie. Hein. Souvent, on a beaucoup de possibilités, on a des choix, on a des outils qu'on ne voit même pas.
Alors, ouvrez les yeux et méditez sur tout ce que vous avez à votre disposition pour créer votre vie, créer la vie que vous désirez. D'accord, mes chers amis? Alors voilà, c'était vos messages pour aujourd'hui, le 20 décembre 2018, tout près des fêtes, hein? Donc, profitez de tout ce que vous avez autour de vous, des gens que vous aimez. Les festivités arrivent. Alors, voilà pour aujourd'hui et on se retrouve dès demain. Merci, au revoir.